on a un robot Aibo là. L'Aibo est un moment aussi important dans la mesure où c'est l'un des premiers robots, on va dire, qui participe à démocratiser la robotique, même si ça restait encore un petit peu cher. C'est pas totalement du hasard le fait qu'il soit japonais, dans la mesure où aussi au Japon, les objets, tous les objets, ont une âme. Donc déjà, il y a le public, je dirais, japonais, peut-être, de ce fait, était presque davantage prêt que le public européen. Oui, effectivement, on ne trouve pas du tout les mêmes façons de réagir et les mêmes peurs. En France, en fait, les mythes fondateurs, hein, c'est Pygmalion, ça va être le golem, dont j'ai un peu parlé. Donc, le golem, c'est quoi? C'est la création d'une créature de glaise qui va devenir vivante, et qui va se retourner contre son créateur. Donc c'est la même idée dans Frankenstein, c'est la même idée qu'on va trouver beaucoup en littérature de science-fiction et en film, dans les films. Et ça, c'est notre patrimoine culturel, quelque part, qui revient et qui montre, d'une certaine manière, les peurs de la société. Au Japon, il n'y a pas ça. Le robot, il est dans les histoires d'enfants, quelqu'un qui vient sauver l'humanité, qui est un grand gendarme peut-être de temps en temps, mais il a plutôt il est plutôt vu comme une créature sympathique et positive, et qui plus est, comme vous le dites, il y a des religions liées à l'animisme, par exemple, lié au fait que on va penser que les objets ou le fleuve, hein, la nature autour, est douée de conscience, de ressenti. Voilà, le fleuve est poétique, hein, il va avoir des. On projette en fait plein d'intentions humaines sur tous ces objets qui nous entourent, que ce soit naturel ou pas. Donc c'est très vrai que les Japonais n'ont pas du tout la même façon de réagir vis-à-vis des robots. Alors la question de la projection étant essentielle en termes de robotique, à la croisée de plusieurs disciplines scientifiques, on en reparlera. Alors là, on est entouré notamment, on en a un ici et un là, des NAO, plus récents, hein, une dizaine d'années plus récents que l'Aibo. Aujourd'hui, c'est l'un des robots les plus visibles, on peut dire. C'est un robot humanoïde le plus visible effectivement au monde. Alors il y a effectivement Nao et puis Pepper qui est derrière moi. Nous, dans le projet dans lequel on est impliqué avec SoftBank, qui est maintenant une société japonaise qui a racheté Aldébaran Robotics, c'était une société française il y a quelques années, on avait développé aussi Roméo, qui était un robot encore plus grand que celui-ci, qui fait 1m40, dans l'idée de construire un robot pour aider, pour assister les gens chez eux. Donc un robot qui marche, c'est très difficile la marche pour un grand robot. Du coup, voilà, c'est encore une plateforme de recherche, donc on ne le voit pas beaucoup dans le grand public, mais ces deux-ci, qui sont des petits robots humanoïdes, qui ne font absolument pas peur, qui sont très ronds, très stylisés, et ils sont effectivement très connus dans le monde entier, il y en a partout. Il y en a dans des maisons de retraite, il y en a maintenant au Japon dans les foyers, hein, il doit y avoir 1000 papers qui sont dans les foyers. On commence à les voir chez nous, hein, chez Carrefour, dans des boutiques. On va les voir à la SNCF pour aider les clients, donner des informations. On va en voir de plus en plus. Alors justement, sur ceux qu'on voit de plus en plus, il y en a un qui est rentré chez nous et vous notez qu'il connaît tout de la maison. On est au plus proche du banal, là, c'est le Roomba, c'est l'aspirateur. Et j'ai remarqué le fait que vous notiez le fait qu'ils connaissent notre maison. C'est-à-dire qu'on lui donne, malgré tout, beaucoup de responsabilités. Il est au plus près de notre intimité. Ah ben oui, c'est un robot autonome. Il apprend la maison. Il apprend à se déplacer dans chaque maison. Il en crée un modèle interne qui lui permet, après, d'optimiser ses déplacements. Et c'est très intéressant, cette histoire d'appropriation du robot des éléments du foyer, puisque les gens le ressentent de cette façon. C'est-à-dire que lorsque le robot tombe en panne, ils le ramènent pour le réparer. Ils veulent surtout pas qu'on le change, parce qu'il connaît la maison. Donc c'est un objet qui est devenu familier de par le fait qu'il a cette autonomie autour de vous et qu'il est accepté dans la maison. Il y a même des gens qui lui donnent un nom. C'est intéressant, l'idée que les gens veulent repartir avec l'eux-mêmes. Ce qui n'est pas forcément vrai pour un téléphone, même si on l'a toujours au plus près de nous. C'est exact, on développe plus une sorte d'attachement à ces objets. Alors on parle de présence, il y a un chercheur notamment qui est connu pour son travail sur la présence, en ayant fait un robot résolument humanoïde à son image, c'est le professeur Hiroshi Ishiguro,
J'ai en effet rencontré, comme je vous rencontre là, son robot. Géminoïde. Ouais, Géminoïde, qui est tout à fait troublant d'humanité, ces battements de paupières qui sont évidemment essentiels. Alors lui ne cherche pas du tout sur ne s'intéresse pas à la question de l'intelligence, c'est la question de la présence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de faire le rapprochement avec l'Uncanny Valley, qui est un autre chercheur japonais, qui nous dit qu'on doit s'approcher de l'humain jusqu'à un point, jusqu'à quel point. Alors effectivement, le professeur Mori, japonais, qui a proposé un rapprochement d'expérience, hein, plus qu'une théorie, sur l'Uncanny Valley, qui était la chose suivante, donc sur deux axes qui présentent une courbe où on a un pic lorsque on s'approche de la ressemblance du vivant, que ce soit pour un animal ou pour un humain, et puis un autre axe qui est l'acceptabilité dans son environnement, enfin le fait d'adhérer à la forme. Et à partir d'un certain seuil, si on se rapproche trop de la ressemblance, eh bien on tombe dans la vallée dérangeante, parce que on considère à ce moment-là la forme comme monstrueuse. Donc je vais vous donner un exemple. J'avais vu HRP4 au Japon, qui est un robot japonais qui n'était pas celui d'Ichiguro, mais qui représentait une femme très très proche de sa conceptrice et qui avait une peau parfaitement, enfin, presque réelle, presque chaude, presque. Dans les détails, c'était assez extraordinaire. Bon, effectivement, elle n'était pas autonome, mais elle avait des mains 2 fois plus grandes qu'une main normale. Donc, ce détail choquant faisait qu'elle apparaissait monstrueuse. Je peux vous en donner d'autres. J'ai vu des agents conversationnels qu'on essaie de faire relativement proches d'un visage humain, avec des rides ou des rougeurs, enfin, qui s'apparentent à ce qu'on pourrait faire de plus proche. Et puis, pour autant, quand vous bougez vos muscles, tout bouge dans un visage. Or, le nez ne bougeait pas, par exemple. Ce qui, tout de suite, est choquant. Alors à l'inverse, ce qui est marrant, c'est que avec des simulations plus pauvres, il suffit que de temps en temps d'un détail pour que les gens pensent que c'est vivant. Je vous donne un exemple d'un autre agent conversationnel. Il avait un défaut, un vrai bug, hein, de pixels dans l'œil qui faisait une espèce d'étincelle. Et ça, les gens me disaient, ah, il m'a fait un regard particulier. Le pixel dans l'œil qui était très sauté donnait l'impression de vie. Et de la même façon, dans Roméo, quand la première fois qu'on l'a vu marcher en public, il marchait en hésitant, et ces hésitations, finalement, lui donnaient un côté très humain. Donc on projette énormément de choses sur ces machines, qu'elles soient très performantes ou pas performantes. Maintenant, pour revenir au professeur Ishiguro, je trouve qu'effectivement, sa recherche est extrêmement intéressante. Elle pose le problème pour nous, chercheurs, dans l'éthique aussi, hein, parce que je suis partie d'une commission sur la recherche, de recherche autour de l'éthique dans le monde du numérique. Eh bien, pose le problème suivant, c'est-à-dire qu'on se demande s'il ne faut pas quand même que la frontière entre ce qui est vivant et pas vivant soit clairement énoncée. Parce que ce n'est pas quand même une solution la plus viable dans la société, plutôt que d'aller vers une espèce de confusion. Alors vous avez raison, le professeur Ishiguro fait plutôt des recherches autour du présentiel. Mais si demain, et c'est ce que j'ai compris aussi, on lui mettait un agent conversationnel, enfin la possibilité de converser automatiquement, hein, puisque pour l'instant il est téléopéré par quelqu'un, s'il était complètement autonome. Bon, jusqu'où allons aller dans la ressemblance et dans l'imitation du vivant? Je pense que là, il y a un vrai sujet dont on devrait débattre au niveau mondial. En tout cas, il est clair qu'avec Géminoïde, on est ressorti, on est remonté de la vallée de l'étrange. Et avec Nao, on est plutôt avant la vallée de l'étrange, puisqu'on n'est pas encore suffisamment proche de l'humain. Alors, c'est pas vrai qu'on est remonté avec celui d'Ishiguro, hein. Ok. Pas vrai. Parce qu'en fait, on est encore dans quelque chose qui n'est pas normal, pour l'avoir vu, c'est-à-dire qu'il a des micro-mouvements de vie, hein, qui vont être un tout petit peu décalés Oui. par rapport à ce que fait un humain, d'autant plus qu'il y a des boucles. Et si on reste longtemps en présentiel devant lui, on ne peut pas les ignorer. Oui. Donc, je suis d'accord, hein, à ces détails près, on pourrait imaginer aller plus loin et du coup aller dans cette. Alors, est-ce qu'il est souhaitable, de toute façon, dans la société, d'aller surfer sur le deuxième sommet? Je n'en suis vraiment pas sûre. En tout cas, je remarque que tout à l'heure, vous parliez du design de ces robots, justement, en évoquant leur rondeur, Oui. qui n'est absolument pas menaçante. Et c'est a priori le choix de beaucoup Il n'y a pas que ça, ils sont d'entreprises. petits Oui, la aussi. taille La aussi taille c'est est importante, important. hein. Oui. Si vous faites des grands robots, ils sont tout de suite plus agressifs, hein, enfin, on ressentira plus Ouais. d'agression. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est lorsque on présente à des gens, moi je travaille beaucoup sur l'assistance en robotique avec des personnes âgées, quand on présente un robot qui a l'air d'un meuble. On présente un deuxième robot qui est métallique, donc comme on voit dans la science-fiction, un vrai robot tout brillant là. Et on présente finalement un robot qui ressemble à un humain. On demande aux gens lesquels préférez-vous? Ils préfèrent celui qui ressemble à un humain, parce que a priori,
Il devrait être meilleur. Donc, il y a aussi, finalement, il faut trouver le juste milieu entre un objet qui va être aidant suffisamment et qui n'apporte pas trop de confusion. Donc, c'est un sujet complexe, cette acceptation des robots proches d'une interaction sociale avec les gens. Alors, l'autre solution, c'est justement de ne pas être du tout humanoïde. Je pense au robot Paro qui vous intéresse, oui. Qui est un cas d'école intéressant, qui ressemble à un phoque, je crois. Oui, c'est ça. Alors, le robot Paro, pourquoi on a décidé de prendre un bébé phoque ? Alors, c'est aussi un robot japonais hein, qui est utilisé énormément hein, dans 30 pays, qui est en France, dans plusieurs maisons de retraite, qui est utilisé en fait pour les problématiques de fin de vie, d'Alzheimer. L'idée, c'est en fait d'essayer de travailler sur l'anxiété des gens et puis essayer de réveiller une vie intérieure, cognitive, émotionnelle. Et ça marche. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que grâce à ces robots qui sont des petits phoques en plus, comme je l'ai dit, qui réagissent en fait au toucher, à la chaleur et à la voix, au son de la voix, eh bien, on voit que les gens, ils les prennent dans les bras et il se passe quelque chose. C'est clair que ça apporte, mais comme le ferait un chat ou un chien. Or, le fait d'avoir choisi ce phoque, ce n'est pas anodin, c'est le fait que personne ne sait comment se comporte un bébé phoque. Donc, il n'y a pas d'attendu sur ce qui va se passer et on l'accepte bien. C'est une espèce de curiosité. Et alors, ce qui s'est passé dans les tests que j'ai lus et les sujets de recherche assez avancés, notamment de l'hôpital Broca, avec qui on travaille beaucoup, qui ont un living lab, et qui font tester des nouvelles technologies à des personnes âgées ou Alzheimer qui veulent bien se prêter à ces tests, et qui participent avec grand plaisir d'ailleurs, eh bien, on a vu que ces machines n'étaient pas du tout rejetées, elles étaient au contraire très très acceptées. Et puis dans les recherches produites, on voit aussi que les gens sont moins anxieux et donc ils prennent moins de médicaments, et donc il y a un vrai bienfait qu'on peut quantifier.